Revamping of ID card. Alors, on commence un projet de 230 millions. Il finit avec letter of acceptance par ministre d'officine accepté le 29 novembre 2022. The contract amount, c'est de 8,1 millions de dollars, 380 millions d'euros. Et on a annoncé que le projet budgété pour 230 millions. Mais quand on signe le contrat, 380 millions, il coûte 150 millions en plus. Alors, pour le maintenance hardware, software, il y a plusieurs coûts qui pour étaler plusieurs années. Quand on ajoute pour tout ça l'année, là, ce maintenance pour ce hardware, et que ce software, il fait 12 800 000 dollars, qui fait à peu près dans les 600 millions de roupies en plus. Et quand on ajoute le coût du contrat qui a déjà été signé pour 380 millions, à ce on ajoute 600 millions qui fait 980 millions. Mais c'est pas tout, chers amis. Quand nous guettons, là, nous trouvons normalement les autres coûts encore dans le document Annual Operations and Support Contracts. Et là, vous trouvez plusieurs montants. 22 589 dollars, 27 107 dollars, 28 462 dollars. Il y a les même après les 46 107 dollars, quand on ajoute tout, il fait où 340 000 dollars encore, qui fait où à peu près 16 millions de roupies. Nous ajoute ça, 16 millions là, et 600 millions là, et 380 millions là, alors nous finissons avec presque bien près du milliard. Les là, ils continuent. Ou quoi, fini la M? Non, ils continuent. Annual marketing contracts for the system, year one, 228 662 dollars, il y a tout 241 454 dollars. Vous ajoutez, il peut faire une somme de 470 000 dollars, qui fait à peu près 22 millions de roupies, vous ajoutez. Mais encore plus gros, pas fini la même là. L'aster Livina, Bancard, qui vous aste. Alors, il y a où, the cost of procuring batches of 200 000 blank cards, un goulis poste un batch de 200 000 cards, 512 900 dollars. Deuxième coût, 556 600 dollars. Troisième coût, 600 300 US dollars. Quatrième coût, 650 900 US dollars. Et dernièrement, 703 800 US dollars qu'on va ajouter. Il arrive 3 millions 25 000 dollars qui fait où en cause 140 millions de roupies. Et quand on ajoute le tout, code d'identité pour Man Mauritien, pour faire revamping, il peut coûter potentiellement 1 158 millions d'euros. Mais comment se fait-il qu'un premier ministre ne dit pas qu'on n'a rien dit, jamais qu'on n'a rien dit, jamais qu'on dit. Dans son propre mémoire, document qui me finit signé ça. Ce date, le 29 novembre 2022. Il me finit en gaz, l'argent contribuable, en fonction revamping of ID code, mais pas déjà Mauritien n'a rien. Personne ne m'a connu combien ça a coûté. Et là, nous trouvons qu'il nous cause 1 158 millions de roupies, quand c'est qui dit dire, c'était 230 millions.